dans son atelier de la rue Armand-Moisan, dans le 14e, en 41, par Marc Vaux, qui est un très fameux photographe d'atelier et d'œuvres de l'époque, dont le musée possède tout le fond photographique. Et l'âme sentant évidemment qu'il allait partir et fait un petit peu un manifeste, l'état de l'atelier. Donc beaucoup des œuvres qui sont reproduites ici, ce sont des pages de cahiers d'art. Et un certain nombre des œuvres qui sont et dans le cahier d'art et sur cette photo sont dans cette salle. On voit aussi sur cette image certains éléments qui renvoient à sa vie parisienne, aux fréquentations, aux expositions qu'il a pu voir. Et vous avez la suite des éléments documentaires dans la vitrine. Alors vous voyez que là, il y a effectivement des tableaux qui témoignent de transformations assez significatives. Et vous voyez bien aussi qu'on est un petit peu au-delà de l'histoire élève de Picasso. Il n'a jamais été l'élève de Picasso. Il a rencontré Picasso en arrivant à Paris. Il en avait déjà vu des Picasso. Picasso sera un ami toute sa vie. Et je pense que dans la rencontre entre ces deux hommes, il y a eu, un, l'extrême séduction de Alfredo Lame. Picasso était très sensible à cette espèce de charme qui émanait de la personnalité. Deux, il lui a montré quelques œuvres qu'il avait amenées de Barcelone, un rouleau que Picasso a trouvé suffisamment intéressante pour, quelques temps après, faire une exposition de dessin avec lui à la Pearls Gallery de Londres. Mais il y avait aussi, ça c'est très important dans l'amitié entre les deux, et surtout à ce moment, quand elle démarre là, ce sont des hispanophones. Et pour ceux qui ont connu Picasso, pour ceux qui ont encore sa voix, on sait que Picasso, après un très très long temps en France, a toujours parlé un français très hispanisé. Et c'était aussi des hommes qui avaient la même sensibilité politique. C'était vraiment des républicains. Ce n'était pas indifférent dans ce moment de montée des périls. Donc ça, à mon avis, c'est vrai, c'est très important. Mais la question de l'emprunt stylistique, elle est parfois complètement... les gens projettent des délires. Cette œuvre, je ne vois pas beaucoup de Picasso là-dedans. Par contre, je vois la mémoire de Gauguin. Je vois... très grand, très fort, regarde sur l'espace de Matisse et ses corps métis qui vont voyager dans toute cette période. Alors il y a aussi un certain nombre, dans l'iconographie, des couples et des maternités, et ça c'est un moment très particulier. Alors c'est pas le premier qui est peint des couples et des maternités, ni le dernier, mais dans sa biographie ça a quand même une résonance un peu particulière puisqu'il a quand même perdu sa femme et son fils en Espagne. Poétique, un manifeste esthétique, un manifeste politique. C'est pas une affiche, et Wilfredo Lame, mais je pense que c'est un peu aussi de malentendu, n'a jamais été dans l'illustration. C'est une œuvre poétique où tout est construit, et c'est pas une affiche. Des affiches, il en a fait pendant la guerre civile. C'était autre chose. Donc cette œuvre était extrêmement impressionnante, puisque se construit un monde extrêmement complexe, et Wilfredo Lame a une culture très sophistiquée. Et donc, vous voyez, ces grandes figures, hein, ce ne sont pas des personnages, ce sont des figures syncrétiques. Donc là, ce que j'évoquais, ce qui commençait à se dessiner à Marseille, devient très explicite, puisque ces figures empruntent à l'anthropomorphe, au végétal, à certains traits qui appartiennent à des masques africains qu'il parfois recompose à sa façon, c'est-à-dire que ça ne correspond pas vraiment... à un masque typique, c'est rare qu'il repousse, ça peut arriver, mais c'est très rare qu'il fasse allusion à un masque précis. Vous avez certains éléments des masques quand même qui circulent sur les éléments anthropomorphes. Donc, il y a évidemment cette végétation très très impressionnante des tropiques qu'il retrouve, cette végétation, ces dimensions assez étonnantes. Le tableau est aussi évidemment très impressionnant. C'est un dessin et huile sur papier qui sera marouflé plus tard. Bon, cette gamme colorée extrêmement raffinée, avec cette espèce de... Quand on prend les couleurs une à une, on se dit c'est pas possible. Donc quelque chose d'extrêmement... Alors, je ne sais pas si agressif est vraiment le mot, mais enfin c'est c'est très... ça résonne, voilà. Mm-hmm.
pas, c'est pas de l'ordre du tintamarre, mais ça résonne quand même. Bon. Vous avez aussi des éléments étant vis-à-vis, parce que les photos sont toujours très difficiles, tellement les gammes de couleurs sont complexes, des éléments qui renvoient à certaines couleurs que vous avez dans les vitraux art déco à Cuba, dans les maisons de classe moyenne, en tout cas à l'époque, et Amelia Pelaez en fera beaucoup, des tableaux de vitraux. Là, en l'occurrence, ce qui est aussi très important, c'est le titre de l'œuvre, parce que tout le monde dit la jungle. Bon, ben, à Cuba, il n'y a pas de jungle, et jungle en espagnol, c'est comme en français, ça a plusieurs sens. Le sens que vous connaissez tous, enfin, vous les connaissez tous, c'est une végétation un peu particulière de certains espaces géographiques, mais c'est aussi métaphoriquement l'espace du non-droit, l'espace du droit du plus fort, etc. Bon, en fait, ce qu'on voit sur ces figures sont comme sur un seuil, sont en train d'apparaître, elles attendent. C'est vraiment, il y a une frontalité extrêmement prégnante, je ne veux pas dire inquiétante, parce que je pense que là, c'est psychologisé, on n'a pas besoin de ça, mais très prégnante. Et en fait, l'espace qui est évoqué, c'est pour les Cubains, El Monte. Et El Monte, c'est un espace, qui renvoie à cette végétation très intriquée, la canne à sucre, les très, très impénétrables, les épineux. Donc ça, c'est une réalité botanique. Mais El Monte, c'est aussi cet espace dont on sait qu'il est habité par les esprits afro-antillais. Je ne dis pas les dieux, j'ai des esprits. Et c'est l'espace aussi dont les Cubains savent qu'il abritait les cimarrones, les esclaves échappés des champs de canne à sucre. Donc c'est tout ça qui est dans ce tableau. Donc évidemment, il y a un effet et quand on dit ça, ce n'est pas du tout de l'ordre de l'invention, parce que ce qui est aussi très frappant, alors vous voyez aussi les outils. Et là, on n'a pas encore les couteaux, les poignards, mais les outils. Je n'ai jamais vu qu'on coupe la canne à sucre avec des couteaux. Ce serait plutôt que des machettes. Et ce qui est aussi, ce que je vous énonce comme lecture possible, dès le début, ça, c'est ce qui est très, très intéressant avec ce tableau, il reçoit la réception est extrêmement subtile. Il y a vraiment une lecture extrêmement fine et de ce tableau qui va devenir un emblème de la culture cubaine. Donc il y a le formidable texte de Fernando Ortiz, qui est un très grand anthropologue cubain, mais un très grand anthropologue tout court, qui a beaucoup travaillé, je pense que pour l'œuvre de Wilfredo Lam, c'est absolument central à cette notion, ce concept de la transculturation, la transculturation, c'est-à-dire on n'est pas dans des histoires de racines, on est dans des histoires de permanente transformation, d'intégration de différents éléments culturels qui évoluent avec le temps. Donc on est vraiment aux antipodes du différentialisme ou même du multi. Je pense que, in fine, si on pousse Ortiz jusqu'au bout, il n'y a pas de racine, puisqu'il n'y a pas d'origine. Les Samanima, c'est aussi l'histoire. On sait très bien que les débuts de Cuba, les Taïnos et les autres peuples originels ont été exterminés. Donc les premiers Cubains sont des Espagnols, des Asiatiques, pas encore de Chinois au tout début, mais quand même d'autres possessions en colonies asiatiques des Espagnols, et que donc on est dans une perpétuelle transformation. Donc je pense que ça, c'est très important dans l'œuvre de Wilfredo Lam, ce mouvement des formes, c'est vraiment, je pense que plutôt que des... C'est pour ça que je suis toujours très prudente quand je décris, parce qu'effectivement, là, il y a des éléments qu'on peut identifier, mais la composition est largement aussi importante que les éléments, et on n'est pas dans de l'illustration. Il y a toujours une production d'images. Et je pense que c'est aussi ce qui est très fort quand on voit tout l'œuvre. Ce sont des images qui, après... qui vont se modifier, qui vont parfois devenir un tout petit peu plus abstraites, mais on est vraiment dans un monde de l'image poétique, on n'est pas dans de l'illustration.